La copie du rapport d'enquête sur le départ d'Afrique du Sud pour Madagascar a été transmise à Mark Ravalomanana. C'est la raison de la visite de la délégation spéciale dépêchée par le président sud-africain Jacob Zuma à Farawuich la semaine dernière. La vente des stocks de bois de rose doit passer par 4 étapes, y compris l'inventaire physique. En attendant une décision du CITES, cette question d'inventaire physique reste un grand problème, affirme le directeur du contrôle forestier au sein du ministère de l'Environnement. Et puis des dizaines de bouquets de fleurs et de bougies ont été déposés à l'endroit où Omar El Hussein, l'auteur présumé de la double fusillade meurtrière à Copenhague, a été abattu par la police. Un hommage qui choque. La toute première chaîne musicale sur la toute première télé numérique à Madagascar. Disponible en streaming sur musica.cool.mg. Cool Music by Cool TV. La télé autrement. Bonsoir à tous, nouveau rendez-vous de l'information sur Cool TV. Bienvenue, et si vous nous rejoignez. La copie du rapport d'enquête sur le départ d'Afrique du Sud pour Madagascar a été transmise à Mark Ravalomanana, et c'est la raison de la visite de la délégation spéciale dépêchée par le président sud-africain Jacob Zuma à Farawuich la semaine dernière. Le ministère de la Justice, de son côté, affirme que les dossiers ne sont pas encore entre leurs mains. Reportage. L'affaire Ravalomanana ternit l'image de la justice malgache. Ce dossier met en exergue le dysfonctionnement de la justice à travers des aspects politiques et judiciaires, d'après les observateurs. Dans le pays, mis à part la détention de Jean-Marc Kumba, ancien garde du corps de l'ancien chef d'État et des employés de la CIEM, les enquêtes n'ont avancé d'un pas. L'affaire semble même être classée dans les tiroirs après les tapages médiatiques autour de l'affaire Kumba. Pourtant, en Afrique du Sud, les investigations ont été closes en moins de 4 mois. Les résultats des enquêtes sont sans détour. Le départ de l'ancien chef d'État pour Madagascar enfreint la loi sud-africaine. Mark Ravalomanana a déjà reçu la copie des documents. C'est le principal motif de la délégation spéciale dépêchée par le président Jacob Zuma à Farawuich. D'après nos sources, ses représentants ont obtenu l'aval de l'État avant de demander une audience auprès de Ravalomanana. Présent lors d'un événement au CCI VAT, le président Radonarmapian s'est abstenu de faire une quelconque déclaration sur le sujet. On vous le disait aussi en titre, la vente des stocks de bois de rose doit passer par 4 étapes, y compris l'inventaire physique. En attendant une décision donc, du CITES, cette question d'inventaire physique reste un grand problème, affirme le directeur du contrôle forestier au sein du ministère de l'Environnement. De son côté, le chef de la région Sava dément toute ouverture d'une campagne de coupe dans la région. Michel Aranardzot. La vente des stocks de bois de rose saisis dans le pays ou à l'étranger se fera cette année, affirme le Premier ministre Ravalomanana Jean lors de la présentation de la PGE. Cette vente devrait passer par 4 étapes, l'inventaire physique, le marquage, la sécurisation et l'appel d'offres. Pourtant, les responsables au sein du ministère de l'Environnement mettent en avant les énormes difficultés de la procédure d'inventaire.
L'existence de stocks élastiques ne permet pas d'avoir les chiffres exacts des stocks de bois de rose, affirme Ajay Manan Dafson, directeur du contrôle forestier au sein du ministère de l'Environnement. De son côté, réagissant aux rumeurs de l'ouverture d'une campagne de coupe de bois de rose dans la région Sava, le chef de région dément formellement. L'affaire bois de rose reste floue. À titre de rappel, l'appel d'offres devait se faire ce mois de février, mais des doutes subsistent sur la réalisation des ventes. La loi régissant les assurances est devenue obsolète sur le plan économique. Le secteur n'a pas encore sa place, il ne contribue que 1% du produit intérieur brut. Parmi les différentes prestations, seule l'assurance des véhicules est obligatoire. Les compagnies d'assurance étrangères ne se sont implantées dans le pays qu'après 2006. Et voilà, il est difficile donc de déterminer le montant exact imputé pour l'assurance d'un objet précis. Écoutez les explications. Avec l'imagination, l'intelligence, la volonté et le courage, afin d'essayer de porter haut l'étendard et l'honneur de Madagascar dans les grands événements internationaux. Nous y voilà, Monsieur le Président, sous votre impulsion, grâce à la confiance que vous avez bien voulu nous témoigner et à la persévérance, cette Assemblée générale annuelle se tient à Madagascar pour la première fois en 39 ans, avec la participation de plus de 600 convives, représentant plus de 40 pays et 290 sociétés du continent africain et du monde. Deux personnes mortes sous un éboulement indois, deux autres morts à cause de l'inondation à un Péflou, un Boudrindou. L'inondation est causée par les constructions illicites d'après les riverains de ce quartier ce matin lors de leur manifestation. Et ces personnes ont tiré la sonnette d'alarme pour alerter les autorités sur ces problèmes. L'exode urbain est la solution proposée par certaines sociétés civiles pour y pallier. Gaëtan Gislav. Des embouteillages monstres, des nids de poules partout, des inondations dans la plupart des quartiers de la capitale. Bref, le désordre règne à Tananarive. D'après les riverains d'Apeflou d'Amboudrane, l'État semble ne pas savoir prioriser ses décisions. Une manifestation s'est tenue ce jour pour interpeller l'État suite à l'inondation qui a fait deux morts dans leur quartier. Aucun responsable public n'a encore été vu sur les lieux. Les constructions illicites font partie des causes de l'inondation dans la plupart des quartiers de la capitale d'après les explications. Par ailleurs, l'État malgache a besoin d'environ 13 milliards d'ariary pour aider 250 familles de la capitale à émigrer d'après une composante de la société civile. Ces dernières semaines, les éboulements dans la capitale ont fait 8 morts et l'inondation 2. Les taxis brousses reliant Antananarive et Ambatjazak sont en grève pendant 2 jours. Ils suspendent tout transport. Cette manifestation vise à alerter le régime actuel sur l'état catastrophique de la RN44. Les engins de la société Krauma sont pointés du doigt pour être à l'origine de la détérioration de la route. Une portion de route de 50 km entre Andaing et Andilanatoub est presque impraticable. Michael Ramaola. C'est la 5e manifestation organisée par les coopératives de transport en 2 semaines. Ce matin, à la gare routière d'Atomatink, les opérateurs économiques et les commerçants en partance pour Ambatjazak sont rentrés bredouille. Aucun taxi brousse des 18 coopératives reliant la zone ne se trouvait sur place. Ils débraient jusqu'à demain afin d'alerter l'État sur le mauvais état de la RN44. 300 engins de la société Chroma sillonnent la zone par jour. Nombreux ne respectent pas les barrières de pluie selon les transporteurs. Des dessous de corruption se cachent derrière cette pratique. Les transporteurs sont suspectés de verser un pot de vin de 2500 arrières chacun en contrepartie d'un laissez-passer pour gagner les routes nationales, même en période de pluie. Les routes sont par conséquent en mauvais état. La portion entre Andaing et Analatoubi est la plus touchée. Les va-et-vient des engins de la société Chroma continueront encore pendant 4 mois au minimum. Sur ce, nous passons aux actualités internationales. Étrange hommage dans les rues de Copenhague. Ce lundi, des dizaines de bouquets de fleurs ont été déposés au pied de l'immeuble
où l'auteur présumé des deux fusillades meurtrières de ce week-end à Copenhague a été abattu. Le suspect danois, âgé de 22 ans, identifié par les médias comme étant Omar Aloussen, un délinquant qui s'est radicalisé en prison, a été tué tôt hier matin par des policiers sur lesquels ils avaient ouvert le feu dans un quartier populaire. France 24. Certains habitants n'en croient pas leurs yeux. Sur ce trottoir, où Omar Aloussen a été abattu par la police, des fleurs et des bougies. Un hommage au terroriste présumé qui vivait dans ce quartier populaire de Copenhague. Je ne m'attendais pas à voir ça ici. J'imagine que les fleurs sont de la part des gens qui soutiennent ce qu'il a fait. C'est choquant d'en voir autant. C'est un terroriste. À la synagogue, il y a des fleurs pour les victimes. Mais ici, c'est pas possible. C'est un terroriste. Beaucoup s'indignent, mais d'autres, très nombreux, refusent de s'exprimer. Le gérant de cette supérette connaissait bien Omar Aloussen. Il ne souhaite pas nous répondre. Nous tournons donc en caméra cachée. Et voici son opinion sur l'origine des fleurs. Il a des amis qui sont tristes pour lui. Pas pour ce qu'il a fait, ça c'est autre chose. Je le voyais quand il vivait ici. Je le croisais dans la rue. Il était normal, très bon à l'école. Ensuite, il a été en prison et il est ressorti transformé, comme si c'était une autre personne. Ce jeune homme voyait souvent Omar Aloussen. Il le décrit comme très pratiquant. Il habitait ici, près de chez moi. Je le voyais presque tous les jours. C'était un garçon calme, qui n'avait pas de problème avec les gens. Mais il défendait sa religion quand les gens la critiquaient. Certains médias danois indiquent qu'Omar Aloussen faisait partie d'un gang du quartier, responsable de nombreux délits. Une information pour l'instant non confirmée. Et puis le cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine entre les forces de Kiev et les rebelles pro-russes semblait tenir hier, plusieurs heures après son entrée en vigueur. Première étape d'un plan de paix destiné à mettre fin à un conflit qui a fait plus de 5 500 morts en 10 mois. Mais voilà, les bombardements se poursuivent à des balles CV. Les positions ukrainiennes ont été visées à 60 reprises depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Et c'est toujours un reportage de France 24. Globalement, dans l'est de l'Ukraine, la trêve a été respectée. Mais dans la région de Debaltseve, l'artillerie continue de parler. Au mortier, les séparatistes pro-russes pilonnent des positions loyalistes toutes proches. Une provocation pour ces soldats ukrainiens. Un cessez-le-feu a été signé. Et nous avons ordre de respecter cet accord. Pourtant, il faut le reconnaître, aujourd'hui, le front est inhabituellement calme. Dans les villes du coin, des civils apeurés en profitent pour sortir de leur cave. L'occasion de prendre l'air et d'évaluer les dégâts. C'est l'Ukraine qui a fait ça. Il y a eu une grosse explosion. Le choc a fait voler grand-mère à travers la pièce. Il n'y avait pas de militaires ici. Que des civils. À Svetlodarsk, les cœurs penchent plutôt vers la Russie. Et c'est le gouvernement de Kiev qui est tenu pour responsable des violences. C'est quoi l'Ukraine libre? Regardez ce qu'ils ont fait au Donbass. Ces bâtards ont tué des enfants. Il n'y a pas d'Ukraine libre. J'ai honte de ce pays de fous. Ce ne sont pas des hommes, ils doivent être pendus. Le président Porochenko devrait être pendu. Tant que tous les fascistes ne seront pas pendus, nous ne pardonnerons pas leurs crimes. Pendez tous ces bâtards! La journée avance au rythme des explosions. Pour se protéger, partout dans la ville, les habitants ont emménagé des abris souterrains. Des semaines, des mois, qu'ils vivent en troglodytes.
J'ai servi ce pays pendant 41 ans et maintenant je me retrouve chassée de chez moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'ai travaillé toute ma vie pour finir dans une cave. Les habitants de Svitodar sont sceptiques. Malgré la trêve, ce soir, nous dormirons sous terre. Et maintenant, un rappel des points, des grands points qu'on a vus aujourd'hui ensemble. La copie du rapport d'enquête sur le départ d'Afrique du Sud pour Madagascar a été transmise à Marc Ravalomanana, raison de la visite de la délégation spéciale dépêchée par le président sud-africain Jacob Zuma à Faravuic la semaine dernière. Le ministère de la Justice, de son côté, affirme que les dossiers ne sont pas encore entre leurs mains. La loi régissant les assurances est devenue obsolète sur le plan économique. Le secteur n'a pas encore sa place. Il ne contribue que 1% du produit intérieur brut parmi les différentes prestations. Seule assurance des véhicules est obligatoire. Et enfin, les deux personnes mortes sous un éboulement indoual, deux hommes, à cause de l'inondation à un péflou en Boudrane. Inondation causée, bien évidemment, par les constructions illicites d'après les riverains de ce quartier ce matin. Lors de leur manifestation, ces personnes ont tiré la sonnette d'alarme pour alerter les autorités sur ces problèmes. Je vous invite à visiter notre site tv.cool.mg pour revoir ce journal dans son intégralité. Et voilà, dans un instant, le premier film qui va passer s'intitule « La revanche des dragons verts ». Et puis le deuxième, Léviathan. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à Cool TV. Je vous retrouve demain à partir de 20h45. Au revoir.